Bonjour à tous. Deuxième match d'ITSL contre un opposant qui j'avais pas vérifié avant. En fait, c'est un des opposants vraiment forts que j'ai. La dernière match, c'était URSS contre un opposant qui était censé être. Putain, c'est pas ouf, hein. Pas très bon et j'ai pas mal de malchance et j'ai perdu. Voilà, essayons de faire tout le contraire. Ouais, et il a une meilleure main que moi, c'est quasiment sûr. Ok, super. Alors, l'Asie, Defector. Donc, Arthez-Ban, forcément. Comme je l'avais dit, il a une meilleure main que moi. Et il a des gros jets de dés. Donc, ça, on va le garder pour la fin. Comme déconne, hein. Donc j'ai quoi d'autre? J'ai Vietnam. J'ai Truman. J'ai Korean. J'ai Spécial. J'ai Yuan et j'ai De Gaulle. Ah, et donc j'aimerais bien cette fois ne pas me faire niquer. J'aimerais bien ne pas commencer par deux défaites, même si contre un adversaire aussi fort, ça va pas être facile de gagner. Il faut avoir des meilleures mains que ça. Ah putain, il a vraiment fait beaucoup de parties. Et donc c'est quelqu'un qui préfère jouer les Russes. Moi je préfère jouer les Américains. Mais j'aurais limite préféré tomber en tant que russe contre lui. Enfin bon, ça va être une partie intéressante en tout cas. Coréen noir, faudrait jouer rapidement. Spécial, Truman, je le garde en réserve. De gauche, je peux pas le jouer, je dois attendre jusqu'à la fin à cause de blockade. Ouais, donc cette saison, mon objectif sera au moins d'avoir les silver, les playoffs éventuellement, mais je pense que ça va être très chaud de mener la conférence, étant donné l'opposition que j'ai. 4 joueurs qui sont dans le top 30 au début de la saison, dans le top 25 même, c'est assez chaud quand même. Liste, ok. Ça me va plutôt bien. Génial. Et bien sûr, j'ai pas de super GD. Quand même. Ah putain, mais en plus, Vietnam, ça va me péter les couilles. Ouais, ok. Ah, au moins elle a le China Card. Allez, donc, comme prévu, allez, j'ai essayé de la merde. Commence bien cette histoire. Sachant que Vietnam, ça va devoir être pour réparer. Il y a au moins un. Qu'est-ce qu'il a? Il a containment. Containment, East Open and Rest. Blockade et Cambridge 5. Ok. C'est hallucinant. Ah, ça commence bien.
Ouais, bah ouais. L'Asie est tombée, donc je m'en fous un peu. Je pense que je vais prendre le risque de... si mes containment, je pense que je vais prendre le risque de prendre la France. Faire une meilleure main. Bon, lui, elle n'était pas non plus incroyable. Mais il y a eu les bons jets de dés par contre. Il y a eu deux bons jets de dés, j'en ai eu deux mauvais, donc quand même avantage pour lui. Je pense qu'il va garder blockade. Donc ouais, je vais tenter de goal. Tenement, il va faire quoi? Casser l'Allemagne? Ah ouais, ça me va. Je trouve pas que c'est le meilleur move. Après... C'est pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible. Donc socialiste qui sera avec UN ou pas, en plus il a les accès à tous les coups, ça c'est quasiment sûr. US Japan, ça se fait, il a la Red Scare. Arabie Israeli, fidèle qui sert plus à rien, Independent 13, Romanian, et ça se fait, il a Suède en plus. Romanian, tout va bien, loulou. L'école, super. Olympic Games. Voilà, enfin, il se plante sur un jet de dés. Il calme le tout va bien. Nasser, d'accord, très bien. Ah putain, il a des stalles. Pff, quel enfer. Et après, il a quoi? Qu'est-ce qu'il va me sortir comme autre joyeuseté? 1, 2, 3.
4, 1. Il y a toutes les chances qu'il ne joue pas Blue Kane, qu'il le joue pour les op. Ça sert vraiment à grand chose. Un, deux, trois. Tank de space. Un. Putain! Pas un seul putain de jet de dés. Et tous les bons événements bleus sont pas encore tombés pour l'ensemble. Ça fait plaisir. Il avait pas joué East Open and Rest, tiens. Il va le garder pour le prochain tour. Il reste bloqué des East Open and Rest. Ça sert à rien de prendre ces deux pays là pour l'instant. Ouais, ça commence quand même vachement mal cette histoire. Ok, au moins c'est moi qui ai ça. Donc, qu'est-ce qu'il a lui? Ah putain, il a Red Scare, bien sûr. Bien sûr qu'il a Red Scare, putain. Il a eu 4 cartes 4 sur 5. Donc moi j'ai quoi? J'ai Doug, des Faverplan. J'ai un Dopaki qui honnêtement pourrait faire une bonne carte. Il a Suez. Manian, ça a été joué. Ok. Et de là j'ai Yuan. Bon. Faverplan, je pense que ça peut se jouer Faverplan. Ouais, bah de nouveau j'ai de la malchance quoi. J'ai l'impression que dans les tours en dehors de la French League dernièrement, ça me poursuit. Enfin, c'est toujours moins frustrant de perdre contre un. Ouais, un Suez, ok.
Mais je vais me cacher quelque chose. Enfin, j'ai quand même pris une des moins bonnes cartes que je pouvais lui prendre. Un, deux, trois. Donc un opaki, bien sûr, je vais le jouer. Oui, c'est moi qui ai bloqué, ok. Ouais, en plus c'est vraiment une main qui est foireuse. Hein. Bon, bah, je vais devoir jouer bloqué de. Je vais devoir bloquer avec UN. On aime. T'as 3 putains de forum dans sa main et. Ok, donc il fait ça, je m'en doutais un peu. J'ai quand même quelques cartes avec lesquelles contre-attaquer. Il va prendre quoi le Benelux? Non, il peut pas. En tout cas, Spain Portugal, c'était le move à faire. Mais avec la China Card, je suis pas du tout sûr. Ah bah voilà, décolle, ok, très bien. Putain, double décolle, mais bordel. C'est le. Bon. Qu'est-ce qu'il lui reste? Ok, il faut que je le joue, hein. On aime, on aime, on aime, on aime. Ah putain, elle va être longue cette séance, je le sens. Naito, Marshall Plan. Il n'a plus rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et un plan Marshall complètement inutile.
Ah oui, pourquoi pas? Pourquoi pas, en effet. Ok, Voice of America, mais ça arrive un peu tard. Quoique, je voulais une rareté ces trois-là, mais même l'orage de maman est pas ouf. Hein. Pas ouf du tout, non, c'est de la grosse merde en fait. Ouais, bon, bah voilà. Une partie perdue de plus, hein, je vois pas ce que je peux faire. On va tenter Voice of America, bien sûr, mais au bout d'un moment. Je vais lui enlever le Chili, Angola et Zaïre, c'est Africa, j'imagine. Il y a des séries parfois dans le jeu et ça en est trop. Oh, putain, mais IBM, mais bordel. Ah là là. Socialiste. Fidèle. En plus, il n'y a plus CIA, donc je vois vraiment pas comment je peux gagner. OPEC et Nuclear Test Ban. Quasiment aucun moyen de gagner cette putain de partie. Faudrait que je l'enferme dans un bear trap une éternité. Il va faire quoi, un coup de la Thaïlande? Donc OPEC dans l'espace, peut-être une deuxième carte dans l'espace si je peux. Sinon, ceci, ça s'auto-répare. J'imagine que je vais à China Card avec Cultural, pourquoi pas. Je sais où j'en suis. Ouais, China pour Pakistan, peut-être. Peut-être devoir jouer fidèle aussi. Quoique si je joue China et Cultural, il n'y a pas forcément besoin. China, Cultural et ensuite trois cartes. Tché, fantastique, on aime. Soyons fous, hein. Je t'adore, on en est. Ça, il va falloir que je le joue pas. 1, 2. Si la branchoire est la branchoire, j'ai envie de dire, je sais où j'en suis. Bien sûr, il avait l'Afrique. Qu'est-ce qui s'est enlevé? Fidèle, Truman. Quatre, allez, pourquoi pas.
Puis on space fidèle, on joue cultural, on space fidèle. On l'outremène. Panama, ok. Ah, mais putain, j'ai même pas foutu de spacer, enfin, je suis pas foutu de réussir un seul jet de dés, je crois, depuis le début. C'est chaud, hein. Smith. Bon bah, c'est des parties comme ça, hein, j'imagine. Qu'est-ce qu'il reste dans les scoring? Afrique, Europe. Il reste quand même le Middle East. Il reste le Middle East. Il reste l'Asie, ça va être un plaisir ça, l'Asie. Le Middle East, l'Asie. L'Asie du Sud-Est. Et l'Amérique centrale. L'Asie, fantastique. Fantastique. Portugaise, brochoir, muslim, one small step, ça peut être intéressant ça, salt, et l'Asie. On est quasiment perdu déjà, avec l'Asie à 7. Enfin bon, normalement on peut pas faire des miracles. Oh putain. J'ai mal small step que je peux jouer malgré tout. Je peux égaliser la vie, un moyen meilleur, et c'est tricky. Hein. Il faut que je prenne l'Inde avec la guerre Indo-Pakistan, donc là il faut que je réussisse un G sur 5 ou 6, lol. Et ensuite, il faut que je réussisse ma brochoire, le Pakistan. On va tenter, hein. Stade où on en est plus à ça près, parce que de toute façon, s'il a... Il monte, ok. Je m'en fous. Small step. Ok. Ah,
font rien. Elle est pas terrible cette main. S'il accepte brochoir. C'est-à-dire que je vais pouvoir spacer deux fois, non? Ah non, même pas. Donc, qu'est-ce que je vais devoir jouer? J'ai encore 4 cartes. Il y a ça. 1, 2, 3, 4. Encore 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Et donc, une dans l'espace, brochoir, portugaise, Asia, et une dans l'espace. Ok, c'est bien. On est d'accord, ouais, il y a ça, donc j'ai pas envie de me faire niquer par un muslim, donc on va faire ça. Oh, mais putain. Ça sera rapide. Nuclear test ban, bah oui. Bon allez hein. On va quand même pas finir au coup d'état parce que c'est pas très. Non mais techniquement parlant j'ai pas envie de faire ça. Alors, et le toile. Ah.
Ouais, une putain de blague. Bon ben voilà, merci d'avoir suivi. Techniquement parlant, je pourrais jouer à autre chose, mais allez, on va le scorer comme ça. Voilà, c'est clean. Bon, bah deux premiers matchs vraiment extrêmement malchanceux. Je pense que celui-là est encore pire, mais vraiment, enfin, les deux matchs. Dites-moi si vous voyez quoi que ce soit que j'aurais pu faire différemment. Là, je vois juste pas. Hein. J'ai eu quoi? J'ai eu une fore, peut-être deux. Non, j'en ai eu un peu plus tard. Non, même pas. J'ai eu deux. Enfin, bon, ouais, non, mais mes mains étaient injouables. J'ai marre avec la carte, c'est le seul truc bien qui s'est arrivé et j'ai pas réussi. Et bon, bah merci d'avoir suivi. Hein. Et on fera mieux la prochaine fois, ce sera pas très dur. À la prochaine.